D'abord, l'idée, c'est d'abord missionnaire, de porter la bonne nouvelle. Porter la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas encore reçue, porter la bonne nouvelle à ceux qui l'ont déjà reçue mais qui ont besoin d'être revigorés, et puis aussi aider à porter la bonne nouvelle. C'est là où peut-être la dimension d'œuvre de miséricorde apparaît davantage, au sens où on va aider tel ou tel diocèse, pauvre, démuni ou jeune, à pouvoir mettre en œuvre cette dimension pastorale. La mission est une œuvre de miséricorde, ben c'est le pape qui le dit, donc ça doit être vrai. Hein. C'est une œuvre de miséricorde parce qu'il y a une attente inconsciente, parfois plus ou moins consciente, de presque tout le monde par rapport à la venue d'un sauveur, d'un salut. Et donc, être missionnaire, c'est apporter justement un élément de réponse. Et pas seulement de réponse intellectuelle, de catéchèse, mais aussi dans l'ordre de la vie de foi, de la libération intérieure. Le pape lit l'Évangile, ça ne m'étonne pas. Hein. Et dans l'Évangile, dans Saint-Marc notamment, sans cesse on dit « Jésus sortit, le Christ sortit. Hein. Il faut que je sorte, que j'aille vers d'autres villes d'Israël. » Et donc, reprenons ce terme qui revient comme un leitmotiv, le pape dit « Nous aussi, il faut qu'on sorte. On ne peut pas seulement rester là entre nous, on est bien, on est bien. On chante les louanges du Seigneur, on est très bien. Et reste avec nous, il se fait tard. Non, je pars. » Pour annoncer plus loin. Et on voit bien qu'il y a une dimension de missionnaire, de rayonnement. Et d'ailleurs, si on ne rayonnait pas, si on ne sortait pas, on perdrait tout ce qu'on a. On ne peut garder sur le plan spirituel que ce qu'on leur redonne. De fait, le sacrement de la réconciliation, je pense que tous les évêques n'ont pas la chance que j'ai de pouvoir confesser plusieurs heures, 4, 6 heures par semaine, par tranche de 2 heures, tranche de 1 heure, tranche de 2 heures, avec un public très large, parce qu'ici, moi je suis fixé à Notre-Dame de Fourvière, c'est une basilique, c'est un lieu de pèlerinage, il y a 2 500 000 personnes qui viennent ici chaque année, qui passent ici chaque année, avec les gens les plus divers de tous les pays, et bien sûr les confessions des Lyonnais qui viennent, mais il y a aussi les confessions tout d'un coup de telle personne qui est de passage ici, qui dit « Tiens, il y a un prêtre, ah !» Voilà. Et c'est toujours... On ne sait jamais ce qu'on va rencontrer. Et parfois, on se dit, bon, pourquoi celui-là est venu là encore? Il ne dit pas grand-chose. Mais il y a parfois des choses extrêmement fortes. On a vraiment l'impression que, malgré notre insuffisance, il y a quelque chose de la miséricorde de Dieu, on dirait, qui passe. Et quand ça passe à travers nous, ça nous touche aussi. Voilà.